Bienvenue dans mon petit atelier, là où je travaille. Je m'appelle José Luis Munuera, je suis dessinateur de bande dessinée pour le journal Spirou. Et je vais vous proposer aujourd'hui de vous montrer comment j'ai fait pour dessiner un Spirou, on va dire, qui est un personnage que tout le monde connaît et qui est plutôt facile. Quand j'étais un gamin, quand j'avais entre 10 et 12 ans, j'avais instauré ce que j'appelais les dimanches de relax. C'est-à-dire un dimanche, ou les dimanches, j'ai passé toute la journée en pyjama, à rien faire que de dessiner, écrire. J'écrivais des romans qui ne passaient jamais de la deuxième page. Ou j'ai préparé des fanzines, des critiques de cinéma, où j'ai fait des critiques cinématographiques. Et voilà, après, je me suis débrouillé pour y trouver un métier, pour y faire cette dimanche de relax permanent, pendant toute la semaine. Et là, du coup, maintenant, il faut le faire obligatoirement pour tout le monde pendant quelques semaines jusqu'à qu'on pourra sortir ailleurs. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous le faire sur cette tablette graphique. Comment j'ai fait pour dessiner juste un petit Spirou. Bon, pas les petits, les grands Spirou. Donc d'abord, il faut faire un petit crayonné. C'est très simple. Il faut faire des boules, mais pas des boules très bien faites, très rondes, un peu à la patate, comme ça, et comme ça. Ça commence comme ça, pour faire un Spirou. Et on trace une boule là, ça fera l'oreille. Donc, à partir de là, tu prends une autre couche, à partir de là, on peut commencer à construire notre personnage, le nez, les yeux qui vont être là, vous voyez comme tout part de cette boule que j'avais dessinée, pas très bien dessinée, mais j'ai part de là pour faire les personnages, voilà. Vous voyez, ça commence à être vraiment à ressembler à un Spirou. Spirou, c'est un peu un smiley. C'est juste un rond avec un peu d'expression sur les visages. J'aime bien dessiner Spirou parce que c'est plutôt facile. Voilà. Comme ça, on a déjà en base encore, bouger, et là je vais passer à l'ancrage aussi sur cette tablette. D'accord, on commence. Ça a l'avantage que tu peux faire bouger comme ça, mais on peut faire pareil avec un papier, avec juste un papier, un crayon. Un peu de concentration là. L'encrasse, c'est la partie où il faut être très concentré. C'est la partie où les dessins se finissent. Un petit ombre sous le nez. L'oreille. On dessine chez sa coiffure assez pittoresque. Voilà. En total, j'aurais fait trois fois les dessins. Une fois qu'avec des boules, juste pour placer les proportions, la structure générale du personnage. Une deuxième fois pour fignoler cette structure, et un troisième, c'est là que je suis là maintenant, pour l'ancrage, la mise en propre de cette crayonnée. Voilà. Encore un petit oreille qui vient de là. Je mets des petites ombres par-ci, par-là, pour donner un peu de volume, juste un petit peu.
Et hop. Un Espirou. Tout neuf. Tout fastoche. Pour dessiner à la maison pendant cette dimanche de relax allongé. Devise dans les coudes.